Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'alimentation pour les oiseaux, des graines et de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Allez, venez avec moi! Salut à tous! Dans cette vidéo, du coup, on va vous expliquer comment bien nourrir les oiseaux et quelles graines correspondent à chaque espèce de la volière. Le pays, c'est quoi? Tout simplement l'équipement de protection individuelle. Avant de faire toute manipulation, vous devez mettre votre blouse, attacher vos cheveux s'ils sont longs, et vous laver les mains. Bien sûr, on ne sait pas où vos doigts entraîner. C'est l'hygiène, du coup, à respecter avant de nourrir toutes sortes d'animaux. Comme on peut voir, Florine a pris les graines de la cage, mais elle va les jeter, ce qu'il n'est surtout pas à faire. Le matériel que vous avez à disposition, c'est la souffleuse. Elle va servir du coup à trier les graines déjà mangées par les oiseaux. La souffleuse met d'un côté les coques et les graines décortiquées et de l'autre les graines intactes. Cette technique évite de jeter la totalité des graines comme l'a fait Florine tout à l'heure. On n'a plus qu'à pousser du coup le restant de graines bien dans la souffleuse. Ensuite, on récupère les deux pots en dessous et prendre le pot avec celui qui a les graines intactes, c'est-à-dire seul le pot de gauche, puis les remettre dans les mangeoires. Si les coupelles sont vides, il faut les remplir avec les conteneurs de graines au fond de la volière, mais pas trop vite. Je vais vous dire quelles graines donner. Les perruches à tête prune, elles mangent du mélange perruche. Les calopsites se nourrissent du mélange grande perruche. Pour les perruches ondulées, elles mangent du mélange perruche. Les colombes diamants et les mandarins mangent les graines exotiques. Donc après avoir manipulé les graines, il ne faut surtout pas laisser les coupelles du coup en bas des conteneurs. Il faut les vider et mettre sur les conteneurs pour ne pas que les rats ou les animaux nuisibles viennent. Et surtout, bien laisser la volière propre et rangée.